c'est Jadi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup on va tester cette coloration. J'avais déjà testé la rouge quand j'avais les cheveux noirs et ça n'avait pas fonctionné. Du coup je vais laisser une deuxième chance à cette marque. Et on va l'essayer en roux. Sachant que j'ai déjà une base assez rousse. C'est juste pour unifier la couleur. Donc voilà, c'est parti. Donc dans la coloration, ce que je trouvais bien par contre avec cette marque, c'est que tout est séparé. Donc il y a le petit contenant qui est vide. D'habitude il y a une partie des produits qui est déjà dedans. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Donc il y a le soin après coloration qu'on met une fois qu'on a rincé les cheveux. Donc on met ça à part. Il y a la crème révélatrice. Donc le gros bidon qu'on mettra là-dedans. Et du coup, la crème colorante. Voilà. Et les gants qui sont quand même un peu mieux que dans certaines boîtes qui sont un peu pourries. Des fois c'est les transparents où on peut mettre trois fois la main dedans limite. Donc voilà. Donc on ouvre le petit contenant. Bon, je pense que tout le monde sait faire ça, mais voilà. Oulala, j'ai failli faire une connerie. Du coup je vais faire un truc un peu risqué, faire ma coloration dans mon salon, sachant que j'en fous toujours un peu partout. J'espère que je vais pas salir tout mon bureau. On espère. Donc bien appuyé, parce que c'est bien que c'est séparé, mais le truc c'est que le flacon est assez rigide. Du coup pour bien vider c'est un peu compliqué. La fille est jamais satisfaite, c'est toujours moi. Là, je pense que c'est vide. On rebouchonne. Donc j'espère que ce sera quand même mieux que l'autre que j'avais, parce que sinon c'est vraiment décevant. Ok. Là, c'est quoi ce délire? Pourquoi c'est... Parce que, vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est... C'est vachement profond le trou et il y a l'opercule qui protège, mais il n'y a pas de pointe pour... Ah, quoique... Peut-être bien. Je dis de la merde. Ah là, c'est ça. Faut dévisser, faut revisser, dévisser, enfin c'est tout un bordel. Ok, c'est bon, j'ai rien dit, c'était bien ça. En fait, fallait enlever le petit machin gris ici. Voilà. Et voilà. Et le point positif aussi, c'est d'habitude les colorations sentent assez fort vu qu'il y en a qui sont à l'ammoniaque, mais c'est juste qu'il n'y a pas d'ammoniaque et ça sent assez bon. Donc on mélange. Je pense que l'application, je vous la filmerai en entier, mais je vous la mettrai en accéléré du coup. Comme ça, ben, ce sera mieux, vous verrez. Bon, je fais toujours ça un peu à l'arrache, mais... Donc on vérifie que tout soit bien mélangé, pour pas qu'il y ait de la crème révélatrice qui soit mal mélangée à la crème colorante. Je pense que c'est bon. Ouais, ça doit être bon. Donc, c'est parti. J'ai rien dit, c'est pas dans cette marque là que les gants sont bien, c'est la couleur, ils sont en noir et ils sont à la bonne taille, mais c'est vachement fin, donc j'espère que ça va pas traverser, parce que avoir les doigts roux c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, j'avais un reste de coloration semi-permanente, parce que pour entretenir mon roux, en fait, je pense que je ferai une vidéo dédiée, mais pour en parler rapidement, je mettais du semi-permanent orange pour un peu et faire en sorte que ce soit plus flash.
Mais là, il y a des parties où il n'y a plus rien, des parties où ça se voit un peu plus en racine, etc. Donc on va juste unifier ça. Et voilà. Donc j'espère que ce sera joli. Donc voilà, ma couleur est appliquée, donc c'est vachement foncé à la pose. J'espère que ça va pas faire un roux hyper foncé parce que c'était pas ce que je voulais et c'est pas ce qui est du tout indiqué sur la boîte. Donc j'espère que ça ira. Je vais nettoyer mes contours parce que j'en ai foutu littéralement partout et sur mon bureau aussi. Parce que c'est ce que je craignais, j'en ai mis partout. Donc voilà, je vous reviens une fois que la coloration a posé et que mes cheveux sont secs. Et voilà, à tout à l'heure! Donc je reviens, mes cheveux sont légèrement humides encore. Mais voilà le résultat. Ici on ne voit pas très bien, donc j'irai en luminosité naturelle après. Donc franchement je suis assez satisfaite de cette coloration.
Ça fait un roux assez clair. Là, on a l'impression que c'est plus foncé ici, plus clair ici. Mais en fait, non, c'est exactement la même couleur. C'est juste que ma lumière est au niveau de au-dessus de ma tête. Du coup, ça éclaire plus ici. Donc ici, vous avez à peu près la couleur de ce que j'ai au niveau de tous les cheveux. Donc je suis vraiment vraiment satisfaite de cette couleur, c'est vraiment cool. Donc pour la référence, c'était le Garnier Olia 7.40 cuivré intense. Donc voilà, je vous mets la référence ici. De toute façon, ce sera aussi en miniature YouTube. Donc voilà, je vais vous faire quelques plans en lumière naturelle pour que vous puissiez mieux voir et mieux vous rendre compte de la couleur. Et puis on se laissera juste après ça. Donc voilà, là, je me suis mise dans ma chambre du coup pour vous montrer. Donc on voit que c'est vachement vachement roux. Un roux assez clair, assez orangé. J'espère qu'il tiendra mieux que les autres parce que j'en avais essayé d'autres. Mais c'était pas terrible. Donc voilà, ça donne ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera du make-up. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, vous abonner et voilà. Et à liker la vidéo. À la prochaine, bye!